Bonsoir. bonsoir, TSM, bonsoir Rude. Euh, petite nouveauté du stream, j'ai rajouté un compteur, c'est merveilleux. On s'amuse comme un fou avec OBS et Streamlabs. Voilà, j'espère que vous allez bien. Chava, <laughs> c'est clair, Chava. Salut Elron, content de, de te voir. Ouais. Hop, laisser un peu les gens arriver. Cool. Ah par contre, comme d'habitude, les compteurs euh, sur les streams, ça se met pas à jour très facilement, très régulièrement. Bon, c'est pas grave, après tout. Hein. On n'est pas là non plus pour faire du chiffre. Bien. Donc, euh, du coup... Ah, bien sûr, il fallait que j'ai des notifications Facebook en même temps. <laughs> ah, salut Guillaume. Voilà, donc je m'aperçois que... Il y a des gens qui sont là, mais ils ne sont pas comptabilisés. C'est génial. <laughs> bon, décidément. Les aléas de la technique. Ça donne du boulot aux informaticiens. Voilà. Bien. Bon. Salut, Cousinage. Ouais. Cool. Très content de toi aussi de te, de te voir enfin sur ce stream. J'espère que le contenu va te plaire. Euh, du coup, et oui, je t'avais déjà donné, je vous avais déjà donné peut-être l'adresse de. De, de ma chaîne youtube donc j'ai fait une petite playlist sur ma chaîne pour euh, poster euh, les, les replays de, de mes précédents cours donc je vais, vous les, je vais la redonner au cas où hop. comme ça les nouveaux arrivants pourront éventuellement rattraper chose qui bon. est hop il faut penser à rester en muet voilà donc je donne ce voilà. Je vais lancer un petit Twitch. Que je vais remuer. Juste un instant. Oh, c'est merveilleux. Voilà. Très bien. Donc, du coup, voilà, avec ce lien-là, vous pourrez revoir les cours. Et comme ça, vous pourrez plus facilement reprendre. Aujourd'hui, j'ai prévu de voir les instructions graphiques, parce que bon, il y en a un petit peu ras bol de faire juste du texte quasiment sans couleur. Et donc, du coup, je me suis dit qu'on allait revoir ensemble les. Un petit peu plus approfondi, un peu plus de manière un peu plus approfondie euh, la gestion des couleurs sur l'Amstrad et on va aussi commencer à avoir deux premières instructions graphiques qui vont nous permettre de dessiner des points et des traits. Vous allez voir qu'on peut faire des choses sympathiques hein, aussi avec. Et puis cerise sur le gâteau. On va faire ensemble ce qu'on appelle une rotation de palette. C'est une notion que j'avais déjà évoquée lors du, du cours précédent, mais je me suis dit qu'après tout, plutôt que de simplement l'évoquer, ça serait mieux d'en faire carrément une. Donc pour cela, j'ai fait un petit programme. Euh, alors du coup, là, je, je charge déjà un programme déjà fait. Je vais partager sur ma chaîne YouTube les, les fichiers DSK. Euh, pour reprendre les cours, que vous n'ayez pas à les retaper. Bon, de toute manière, dans les, les commentaires de la chaîne YouTube, je colle les sources des, des différents cours, euh, des différents programmes que je lance, pour euh, que vous n'ayez pas non plus à les retaper, que vous puissiez les voir euh, directement. Donc, comme d'habitude, on bascule en mode 2. Je fais liste. Et là, on va voir le programme petit à petit. On ne va pas tout lire d'un coup. Donc, ce coup-ci pour ce programme, j'ai décidé de, de basculer en mode 0. Comme euh, vous vous souvenez sûrement, le mode 0 sur l'Amstrad c'est une faible résolution mais 16 couleurs. Parce que, comme ça, du coup, euh, voilà. Du coup, avec euh, 16 couleurs, on aura moyen de faire une rotation de palette euh, plus jolie que simplement avec quatre couleurs alors du coup euh, la première des choses pour faire une rotation de palette c'est de dessiner à l'écran avec plusieurs euh, encres vous vous souvenez le concept d'encre donc euh, euh, sur un cpc vous dessinez avec des encres et avec les commandes Ink, vous définissez quelle est la couleur de chaque encre donc euh, parmi ces 16 encres vous choisissez dans une palette de 27 couleurs et vous dites bon ben l'encre 0 elle aura telle couleur, l'encre 1 elle aura telle couleur et ainsi de suite. Voilà donc du coup première des choses qu'on va faire euh, c'est faire des, des traits avec les commandes plot et draw exactement la tsm donc du coup euh, l'instruction plot tout simplement on lui donne des coordonnées L'explication de step, on verra après. Je vous... Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Donc là, vous voyez, je suis en mode 2, et je fais un petit point au centre de l'écran. Les coordonnées, c'est 320, Du coup, euh, ça veut simplement dire que l'écran, ses coordonnées vont de 0,0 en bas à gauche de l'écran, jusqu'à 640,400, en haut à droite de l'écran. Donc là, 640 points en largeur, vous dites, on a 80 euh, caractères en colonne, les caractères font 8 pixels, <laughs> je saisis si avec les fautes, c'est con, <laughs> d'accord. Euh, donc 8 fois 80, ça fait 640 pixels, le compte est bon. Par contre, 25 lignes de 8 pixels, 8 x 25 ça fait 200 ça fait pas 400 c'est bizarre mais en fait c'est comme ça en réalité le CPC n'a que 200 lignes et du coup pour des questions pratiques le on les verra plus tard TSM, ces instructions t'inquiète pas du coup pour des questions pratiques pour avoir des coordonnées x et y assez voilà avec un bon ratio en termes mathématiques on a préféré dire qu'il y avait 400 points virtuels à l'écran même si en réalité il n'y en a que 200 en, en hauteur voilà et effectivement comme tu dis rude oui moi, ton zizi, le ratio n'est pas parfait, euh, on n'est pas du tout dans du 4 tiers. Euh, bon, il faut dire déjà de base euh, l'écran avec les borders. Euh, une fois qu'on a rajouté les, les borders. Euh, bon, alors en plus, là c'est un petit peu trompeur avec euh, mon, mon layout, mais sur un vrai CPC, on peut voir que le ratio entre la zone d'affichage utilisable par défaut et le ratio de l'écran n'est déjà pas le même. Bon, du coup, effectivement, on joue un peu avec les ratios, mais ce sont des, des compromis techniques qu'on qu devait faire à cette époque-là. C'est quand même la torture pour l'esprit. Bon, n'exagérons pas, il y a des machines beaucoup plus compliquées pour gérer les, les, le basique, les graphismes, que l'Amstrad, ne t'inquiète pas. A mon avis, si tu devais faire du graphisme sur un Commodore C64, ça serait autrement plus complexe. Voilà. Bon. Du coup, maintenant, euh, on a vu plot. On va voir draw, tout simplement. Si je fais draw 640,400, vous voyez, il part du dernier point laissé par plot et il va jusqu'à la, la coordonnée que je vous ai indiqué, euh, tout en haut à droite de l'écran. Donc, à partir de là, euh, on a vraiment la base. Ensuite, il y a un. Dernier paramètre pour les commandes plot et draw, c'est la, la commande. La, le troisième paramètre c'est le paramètre qui nous permet de choisir l'encre, tout simplement. Du coup, euh, le, maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un système de boucle fort qui nous permet de tracer des traits. Alors. Du coup je positionne ici un premier point à la coordonnée I avec l'ordonnée 0 donc en bas de l'écran et avec l'encre i mode 16. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette commande de mode barbare Alors là c'est la partie que, que notre ami JB aime pas, on va faire un petit peu de maths. Mode c'est ce qu'on appelle le modulo, autrement dit le reste. Donc, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos souvenirs de mathématiques euh, euh, cours CE1, CE2. Si je vous fais print 10 mode 5. Ah, c'est <laughs> malin, ça marche pas. Attendez, je fais CLS. Hop, print 10 mode 5. Il reste 0, mais si par contre je fais print parce que 10 est divisible par 5, mais si je fais print 12 mode 5, il reste 2. Voilà, très bien. Le signage, tu as parfaitement compris. Je m'étais trompé, j'avais confondu 10 et 12. Faut le faire quand même. Ça ne me réussit pas de streamer le soir. Bon, pourtant j'ai indiqué dans Twitch que j'allais respecter ce créneau. Il me semble que c'est un créneau qui arrange peut-être un peu plus de monde. Voilà. Donc du coup, mode, c'est une astuce. Quand on veut se garantir qu'un nombre reste borné, on dit par exemple mode ma limite. Et comme ça... Vous pouvez incrémenter votre nombre indéfiniment euh, jusqu'à la limite euh, que vous voulez. Mais du moins que vous faites mode, vous garantissez que ben, euh, vous aurez, quoi qu'il arrive, euh, un nombre toujours inférieur euh, au reste que vous indiquez. Donc si j'ai écrit par exemple 4 mode 5, il reste 5. J'arrive à ma limite 5, je fais 5 mode 5. Il reste 0. Donc je me sers de cela. Donc je recommence. Je raffiche l'écran, on passe, on masque la suite pour l'instant. Donc là, je fais une boucle qui va de 0 à 640. Et là, comme on, tu disais tout à l'heure TSM, il y a la commande step de la boucle FOR. Ben, la commande step, elle sert d'incrément pour dire ben, l'incrément, ça ne sera plus 1 comme par défaut, mais ça sera 4. Donc je vais passer de 0 à 4 à 8 et ainsi de suite. Et c'est pour ça que le mode ici est très utile, parce que pour définir l'encre, euh, si je veux passer de 0 puis à 4, puis à 8 et ainsi de suite, ça ne me servira à rien. Moi, mon nombre il doit aller de 0 à 16. Enfin, de 0 à 15 plutôt, pour être exact. Euh, du coup, euh, là, avec ce, euh, ce i mode 16, je garantis que, quoi qu'il arrive, j'aurai un mode qui va évoluer comme ça, petit à petit. Donc, Tant que j'aurai 4, euh, bon, ben bah, voilà, ça me donnera 4. Quand j'aurai 8, ça me donnera 8, et ainsi de suite. Euh, ensuite, en fait, je m'aperçois <laughs> bêtement que j'ai fait une erreur. Mais c'est pas grave. Euh, là, la véritable instruction euh, le, le, utile, c'est draw, pour tracer un trait. Parce que comme vous avez vu, plot, ça fait... Euh, ça fait juste un point. Si je faisais une rotation de palette sur un seul point, ça serait un peu dommage. Et donc, du coup, pour le draw, là, j'ai fait les choses. On, on va tracer toujours un trait à partir de la coordonnée I, en abscisse, et en ordonnée, on va à 400, donc tout en haut de l'écran. Et là, c'est là que, en fait, je, je m'aperçois que j'ai fait les choses un peu mieux. Je prends ma coordonnée I là pour déterminer l'encre et je divise par 4. Et oui. Parce que là en fait tout à l'heure je vous ai dit une bêtise. Si je me contente de basculer 4, 8, 16, 12, 16, ben je vais tourner bêtement sur les 4 mêmes couleurs. Voilà. Donc step c'est comptage par intervalle, oui c'est voilà c'est ça, c'est les souvenirs revient, exactement c'est ça. Bonjour Steph 3D. Euh, du coup, euh, voilà le, le step, c'est l'incrément de, de ta boucle de ton compteur. Donc là l'incrément est de 4, de 4 en 4, exactement. Donc du coup, euh, en fait ce qu'il fallait faire euh, aussi pour le plot, on va corriger ça, c'était de, de faire i e mod 4 en fait. Hop, alors attendez, on va taper ça correctement. Hop, on va faire un petit edit 40. Hop, i sur 4. Donc, en fait, Eric plot en direct. Eh oui, ah là là, je suis con, je me trompe sur le plot. Oh là là, je, je, je suis le roi du complot. Voilà, euh, du coup, en faisant i divisé par 4, je garantis que mon nombre, même si je fais des incréments de 4 en 4, eh ben, du coup, là je vais incrémenter de, de 1 en 1. Et euh, grâce au mode 16, je garantis que je vais m'arrêter de 0, à, 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 j'irai entre 0 et 15. Avec Sinclair, c'est comptage 7 sur 7. <laughs> D'accord. C'est parce que je parlais de DSK tout à l'heure que tu me sors Anne-Sinclair. Waouh, ça voit le haut ce soir. <laughs> on ira. Mais si tu fais 0 divisé par 4, tu n'as pas une erreur non. non. On peut très bien faire 0 divisé par 4, ça te rendra 0, il n'y a aucun souci. C'est faire 4 divisé par 0 qui poserait un problème. Voilà. Mais 0 divisé par 4, ça ne pose aucun problème. D'ailleurs, on va le tester. Hein. 0 sur 4, ça fait 0. <laughs> ah ben, t'inquiète pas, hein, Steph 3D, t'es pas le seul. Voilà. Donc, du coup, maintenant, on va voir la suite. 60%. Hop. Alors là, ça me permet en plus de, de rectifier, de faire un petit erratum par rapport à un cours précédent. En fait, dans un cours précédent, j'avais dit bêtement, en basique, en me fiant à ma mémoire, qui est plus que faillible, euh, un vieux souvenir en plus que j'avais euh, que, en fait, en basique, les tableaux commençaient à l'indice 1. Ben c'est faux, en fait, non, non, en basique, les tableaux, comme dans quasiment tous les langages à part le COBOL, euh, ben les tableaux commencent avec l'indice 0. Donc ici, dans mon tableau que j'ai appelé Palette, eh bien on va de 0 à 15, et pas de 1 à 15. Et donc là, on trouve sur une seule ligne, une boucle fort, de 0 à 15, où je fais un read color, et je dis que dans mon tableau, à l'indice i, je mets la couleur que je viens de lire dans les datas. Tout simplement. Donc vous vous souvenez en basique, en fait, on n'est pas obligé de mettre une seule instruction par ligne, on peut en mettre autant qu'on veut dans la limite des 255 caractères de la ligne. Donc là, c'est pour ça que pour gagner un peu de temps, j'ai mis... Ah, salut Jean-Luc <laughs> ouais. Voilà, donc du coup, euh, Monsieur Poire, c'est Jean-Luc, c'est un de mes collègues de travail. Voilà. Euh, donc du coup euh, voilà là le read data ce sont tout simplement les couleurs que j'ai choisi pour la, la palette euh, que je définis pour ce graphisme. Donc c'est vraiment euh, très très simple comme, euh, comme système et vous notez que en fait le dessin euh, se fait et ce n'est qu'après que j'initialise les encres. Bon, déjà ça donne une petite indice, en fait vous n'avez absolument pas besoin. Euh, pour euh, définir des encres, euh, de le faire en premier, euh, vous pouvez très bien changer les. Il y a des pseudo ici, <laughs> d'accord euh, Du coup, euh, y a... vous pouvez très bien changer les encres après que le dessin soit fait. Voilà. Donc, déjà, ça donne une petite idée de, euh, de ce qu'on va faire, hein. du principe des changements d'encre. Donc, maintenant, je fais. Hop Hop Liste. 110 pour la suite et là maintenant on va faire le cycle des couleurs donc c'est là que ça devient un peu plus sux donc je mets je reprends une variable i je la remets à zéro et je prends une variable que j'appelle le décalage qui pareil est à zéro tu fais un gun qu'on voit que cela donne car là j'ai du mal un run tu veux dire oui t'inquiète pas f 3d on va faire un run mais je termine de l'algorithme de du cycle de couleurs et tu vas voir j'ai tout saisi sans me planter ça marche ah bon mais bah très bien dis donc tu as fait vite alors inc i plus décalage donc vous pouvez voir que là pour quand on commence ça fait inc 0 mode 16 toujours 0 et là je prends dans mon tableau où j'ai mis des, des variables ah zut il y en a encore bon et oui et oui parce que là pour l'instant tout ce que tu as fait c'est faire le dessin initial et initialiser la palette mais on n'a pas encore la rotation donc ensuite une fois que j'ai positionné l'encre de la coordonnée 0 j'augmente i toujours dans, avec ce modulo 16 et dans le cas où i est égal à 0, ben je dis que mon décalage est augmenté de 1, et toujours avec ce fameux modulo 16. Donc du coup, et ensuite tout ce que je fais, c'est boucler sur ma commande ink pour passer à l'encre suivante. Et à partir de là, vous voyez que au fur et à mesure que ma boucle va tourner, indéfiniment, parce que je viens de faire ce qu'on appelle une boucle infinie, et bien en fait, je vais lire mon tableau. Alors, hop, si je faisais un petit liste, « liste 90 ». Ah, <laughs> c'est pas ça. Hop, 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 hop. Liste 80, 100, Voilà. Vous voyez qu'en fait, mon tableau, il est initialisé avec ces valeurs, et petit à petit, à chaque fois je, que je vais boucler, eh ben, je vais lire un peu plus loin, et puis quand j'atteins la limite, en fait, je vais revenir comme ça au début. D'où l'idée du cycle. Alors bon, maintenant, vous allez me dire, on veut voir que ça marche. Je fais run. Et là, vous voyez, ça prend un certain temps pour faire le dessin avec les couleurs par défaut. Et là, on a enfin le cycle comme prévu. Alors c'est sûr, c'est moins joli que les rasters que fait roude en assembleur, mais on est en basique. <laughs> Salut Mokona Après, si j'étais un assembleur... Ça y reste vitesse là, même plus vite je pense. Mais c'est ça la merveille d'être sur un émulateur, c'est qu'on a la possibilité, si l'on veut, de faire vraiment des choses beaucoup plus rapides. <laughs> voilà. Alors du coup, euh, des... Des programmes comme ça, de rotation de palettes, c'est un truc hyper classique, on en trouve des tonnes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... des disquettes de démo de... qu'on avait sur l'Amstrad CPC 6128. Jean-Rochère, tu peux le faire dans l'autre sens. Euh, oui, on pourrait aussi le faire dans l'autre sens, effectivement, si tu veux. <laughs> Mais bon, euh, on en trouve des tonnes, mais des jolis moins. Effectivement, comme tu dis, Rude. Mais bon, en tout cas, euh, voilà, c'est des trucs euh, moins jolis, mais là, je piche tout. <laughs> D'accord. Voilà. Bon, du coup, euh, voilà, j'ai vraiment cherché un exemple simple, euh, en essayant de bien décortiquer le code en trois parties distinctes. Et euh, voilà, donc du coup, euh, vous pouvez voir. Après, le choix de la palette n'est peut-être pas le, du, du meilleur goût, mais bon. C'est vraiment une histoire de d'exemple de, didactique on va dire. Voilà. Bien. Euh, du coup, euh, bon il est déjà 20h25. Je pense qu'on a bien vu l'exemple. Le, je vais vous en trouver un autre. Hop, hop. T'aimes bien les couleurs, CF3D Bon ben merci. Hop. Alors par contre des fois quand on passe comme ça... En mode 0, du mode 0 au mode 2, on a des fois des surprises. Hop, pause pipi. <laughs> voilà, alors t'inquiète pas, je vais juste charger un programme, une commande de ink et ça irait plus vite, oui. Hop, en changeant que la couleur de ink, ça irait plus vite. Mais qu'est-ce que tu veux dire C'est exactement ce que je fais en fait. Je, en fait, là ce que tu viens de voir, c'était des inks en fait nous euh, le concept de rotation de palette en fait d'ailleurs on devrait plutôt dire rotation des encres peut-être mais bon alors hop je charge un autre petit programme vous allez voir il y a un autre système en hein, changeant que, que hop, je fais run spiral c'est un autre exemple de ce qu'on peut faire alors là aussi je vais Utiliser l'accélération de l'émulateur. Il y a aussi des avantages à utiliser un émulateur plutôt qu'un vrai CPC. Hop, Vous voyez. Alors là, ça c'est pas un programme que j'ai fait. Je l'ai trouvé sur un, un magazine. Je ne sais plus lequel. C'est un truc que j'ai tapé à l'époque sur mon mon vrai CPC. D'ailleurs c'est dommage j'en avais une plus belle à l'époque mais euh, je ne l'ai plus retrouvée. Alors, Ink 1,24. Tu peux faire péter la limite pour être plus plein écran. Oui effectivement ça pourrait être sympa. Alors... Oh, bah, alors hein, c'est vraiment pas compliqué. While Ink... Ah oui attendez. Voilà. Vous voyez C'est quoi le combo de douche pour faire un control run Alors c'est contrôle flèche et contrôle entrée. Euh, mais entrée sur ton pavé numérique. Mais attention, ça ne marche pas forcément sur tous les émulateurs. Vous voyez Et tu sais les, faire des rasters comme des anciens groupes sur Atari. Alors les rasters, tu ne les feras pas en basique ça tu peux t'adresser à, à oui même à ton zizi pour apprendre à faire des rasters là pour moi les rasters en basique c'est pas possible alors on va faire un petit tour en 1,24 liste on va voir si on peut faire un petit truc pour draw for i 200, step 0.1. Euh, bon, ben voilà, elle est En tout cas, ça fonctionne sur un vrai CPC. Ah oui, c'est clair, Elron ça marche sur un vrai CPC, tout à fait. Tu sais, en fait, euh, la plupart des émulateurs essayent d'émuler correctement le clavier, mais si tu compares un, un clavier de CPC à un clavier de PC, euh, ils sont malheureusement très différents. Et même en interne, de, de base, ils fonctionnent différemment de toute façon. Donc euh, mine de rien, émuler le clavier du CPC, c'est pas facile en fait. En certains, il arrive plus ou moins bien. Moi jusqu'à présent, j'étais assez content de Caprice32, Caprice, 32, euh, Caprice euh, Forever, mais il y a un petit bug qui est survenu plusieurs fois durant les streams, qui fait que bah, je me retrouve avec une touche qui marche plus. Et pour l'instant j'ai pas trouvé le mode opératoire pour, pour remonter le bug au développeur. C'est Frédéric Coste il me semble. Euh, si je pouvais lui trouver un mode opératoire, je lui dirais bah écoute, regarde tu fais ça, est-ce que tu reproduis le même bug que moi? Et comme ça il pourra le corriger, ça serait cool. Alors, euh, move 32200, 200, oui, ben on va, allez, on va tenter un truc. Soyons fous. Edit 20. Hop. Ah oui, pour aller à la fin de la, de la ligne, c'est CTRL Flèche, l Run, si tu veux. On va essayer. 320. Ah oui, euh, il me semble qu'avec les plots, on a tout à fait la possibilité de, de dépasser les coordonnées que je vous ai indiquées. Il me semble. Je vais essayer. Ben, on va vite voir. Je mettrai le code source de, de ce programme. Et ben voilà. Et dans l'autre sens, voilà. Si vous voulez hypnotiser quelqu'un, c'est parfait. C'est fou ce qu'on s'amuse. Il y avait aussi le tunnel façon Star Wars, oui. Ça doit être possible aussi. En fait, des rotations de palettes, vous en trouvez même des fois dans certains jeux. Par exemple, je crois bien qu'il y a un jeu de Formule 1, je ne sais plus comment il s'appelle, <laughs> le numéro de carte bleue, ouais, je vais essayer. Euh, il me semble qu'en fait, euh, c'était un vieux jeu de Formule 1 où il euh, y avait relativement un peu de couleurs, et en fait, une partie des, des couleurs servait à faire l'animation euh, des roues en, en rotation de palettes, tout simplement. C'est tout bête, mais est, voilà. Et les roues, les roues avant, comme ça. GP500 aussi. Et souvent aussi, les, les animations sur le, le côté pour faire défiler les, les, les bandes de rouges et blanches du circuit, ben en fait, c'est une rotation de palette, tout simplement. Sauf au début, où il faut un petit peu scroller, mais ensuite, hop, rotation de palette, et puis voilà. Donc là c'est vraiment des, des trucs de base euh, qu'on trouvera. Le meilleur jeu de Formule 1. Euh, oui, je pense qu'on parle du même. Effectivement, il a beaucoup de fans ce jeu. Ce jeu. Notamment Msouya, euh, Maury a adoré ce jeu. Euh, tu peux compiler en basique pour en faire un exécutable sur CPC. Alors avec ce basique-là qu'on voit, euh, non, par défaut, tu ne peux pas. Il y a d'autres basiques qui le font, mais celui-ci, non. Donc euh, moi je vous fais celui le basique que je connais, j'ai vu effectivement il y a, a d'autres basiques qui sont sortis à l'époque, il y a même des, euh, des logiciels plus récents qui tournent sur PC, qui permettent de faire du, du basique, qui se compile. mais c'est pas exactement le même basique, donc je n'avais pas envie de, de réapprendre encore un langage de plus. Voilà. Bien, alors du coup je reset. Hop. Et je vais changer je vais revenir à mon autre disquette Hop. 4. Hop. alors du coup euh, là je vous, vous voyez en plus petit à petit je cumule les, les programmes de cours en cours de chaque disquette je, je cumule les programmes donc du coup euh, on pourrait revoir les, les programmes précédents. Mais là, du coup, on va voir une autre notion. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à mon jeu L'île au trésor, mais dans un zone des tableaux, je dis que le programmeur est une grosse feignasse, il a eu la flemme de coder des chronomètres. Bah là, du coup, je vais vous montrer comment on va gérer des instructions pour, pour, qui permettent de, de gérer le temps sur CPC. Alors, toujours le mode 2. Et là, on fait une petite liste. Alors, alors ça nous permet aussi de continuer à utiliser les commandes plot et draw mais on va aussi utiliser d'autres nouveautés. Alors et un des premiers trucs que j'ai voulu montrer c'est quelque chose qui sert de temps en temps euh, bon c'est pour des questions de peut-être de lisibilité ou peut-être pour faire des choses propres conceptuellement ça s'appelle les fonctions en fait euh, en basique euh, on peut définir des fonctions avec une commande voilà qui s'appelle deffn et vous voyez ici en fait on prend deffn comme ça avec un espace au milieu et ensuite on rajoute le nom tout collé à la fonction et après on indique le calcul qu'elle qu fait alors ça doit tenir sur, euh, sur une ligne comme ça, il euh, n'y a, a pas vraiment euh, de possibilité de faire un programme très complexe, c'est juste une fonction mathématique. Et en plus, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas dire, ben voilà, ma fonction, elle prend des paramètres et on retrouve les paramètres dans la formule. Non, il faut écrire directement la formule et les paramètres, ce sont les variables qu'on utilise. Et donc du coup, euh, pour faire... Euh, quelle est la différence entre plot et draw, plotter et drawer Alors on va on va voir ça dans un autre cours. Voilà, c'est r pour relatif comme tu dis Rude. Il s'agit en fait de de on va dire que drawer et plotter sont des variantes qui gèrent les coordonnées différemment. Alors ça peut être un truc qui est pratique pour faire un dessin de manière un petit peu procédurale, parce que du coup euh, là où tu aurais eu besoin de faire un calcul avec euh, plot et draw, et ben, tu peux tout simplement dire euh, drawer avec des nombres fixes, et en fait tu vas faire un décalage systématique, comme ça, sans aucun calcul. Ce qui fait que tu vas pouvoir rendre ton programme plus rapide parce que tu ne feras pas de calcul. Mais ça j'aurai l'occasion de l'illustrer avec euh, un autre exemple dans un prochain cours. Je n'avais pas prévu de, de voir cette instruction, de, ces deux instructions plus... Euh, tout de suite parce que bon je ne voulais pas rendre le cours plus complexe. Bon, du coup je reviens à fnangle, là, là ma fonction. Alors là on peut voir qu'elle prend un paramètre, une variable qui s'appelle seconde. Je la multiplie par moins 6. Salut Amaury Je viens de comprendre après tout ce temps sur Discord la subtilité de ton pseudo. Je suis fatigué. <laughs> Oui, alors en plus je donne des cours de basique et, et mon pseudo c'est une blague sur de l'assembleur faut le faire voilà donc du coup euh, ma fonction elle me sert à calculer un angle en fonction d'un nombre de secondes alors le, le, le but en fait c'est euh, de faire euh, un calcul en degrés déjà, euh, parce qu'il faut savoir qu'en euh, basique, vous avez des instructions euh, qu'on appelle des instructions de trigonométrie, les fameux cosinus, sinus, tangente, et par défaut, euh, ces fonctions, elles travaillent non pas en degrés, mais en radians. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les radians, c'est des euh, angles qu'on mesure entre moins 2π, et, ou entre moins π et plus π, il me semble. Bon, c'est des trucs que les mathématiciens aiment bien, ça peut être très pratique pour certaines choses, mais bon, on va rester à nos bons vieux degrés, c'est quand même beaucoup plus simple à comprendre. Et donc là, le but de mon programme, c'est d'afficher une horloge. T'as eu un bac G Bah oui, mais bon, on fait aussi des maths en, en, en bac G. Hein. Euh, ouais, c'est qui que j'ai connu Bah mon ex a eu un bac G aussi. Hein, voilà. C'est. Voilà. Donc. Euh, ah non, pas en terminal. Ah, tu vois pas les, les radians en terminal Ah oh, bon. Remarque, moi je me demande si je ne les avais pas vus avant. Mais bon, après, c'est pas grave. De toute manière, les programmes c'est fait pour, pour évoluer. Voilà. Non. Bon. Et bon, du coup, tant pis. De, de manière, on reste sur les degrés. On va pas se compliquer la vie. Donc, du coup, euh, l'idée, c'était de dire, euh, je veux faire... Euh, l'aiguille d'une horloge euh... l'église euh, l'église n'importe quoi l'aiguille d'une horloge euh, donc je vais faire l'aiguille des secondes seulement euh, donc du coup l'idée c'est euh, ben, je veux que quand euh, j'ai les secondes à zéro mon aiguille elle soit en haut de l'écran euh, comme ça au milieu et petit à petit euh, elle va tourner comme ça et donc « J'ai de la neige chez toi, c'est cool, ouais. <laughs> »« Voilà, t'as vu ça en CP, mais t'avais rien capté. »« Oula, t'étais dans une école Montessori ou quoi ?» <laughs> Bon, du coup, euh, l'idée, c'est... Euh, on divise l'écran en 60 morceaux, euh, comme ça, euh, le cercle de l'horloge, en 60 morceaux, qui représentent les 60 secondes. Et donc, du coup... Euh, un angle, ben, ça fait euh, un, un degré, euh, ça fait qu'un 360e du tour. Donc, du coup, euh, pour, quand une seconde passe, ben, en fait, on tourne de 6 degrés. D'où l'idée de multiplier par 6. Alors, vous allez me dire, je ne multiplie pas par 6, je multiplie par moins 6. Ben ça, c'est parce que tout simplement, euh, ben quand on tourne avec les fonctions cosinus, sinus, euh, comme ça, de, les degrés, quand on mesure les angles, ben, en fait, on les mesure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Bon, pourquoi J'en sais rien, c'est comme ça. Et en plus... Tu crois que tu aurais pu prendre une horloge digitale Tu serais, moi même pris la tête <laughs> Oui, mais bon, aujourd'hui le cours, le Steph 3D, le but du cours c'était de, de continuer avec des, des, des traits, euh, des instructions plot de draw, parce qu'il y en a marre du mode texte. <laughs> voilà. Bon, tu diras, en mode texte, j'aurais pu euh, m'amuser à dessiner des grands nombres, mais bon, c'est un peu prise de tête quand même. Donc du coup, euh, voilà, je reviens sur ma fonction. Et là, vous voyez, je rajoute 90 degrés, parce que en plus, euh, l'angle, en fait, il commence ici. En fait, il commence au milieu, le, le zéro, en fait, et il commencerait à, à, à 15 secondes et non pas à, à, en haut comme ça. Donc du coup, je rajoute 90 pour hop, remonter d'un quart de, de tour l'horloge. Bon, vous allez me dire, ma fonction, par exemple, si je... Là, pour l'instant, seconde, on sait qu'elle qu vaut 0. Si je l'appelle, par exemple, vous allez voir. Hop Ah Autant pour moi je n'ai pas le droit de faire directement deffn, ça c'est un truc que j'avais complètement zappé. On n'a pas le droit de faire un deffn directement sur la ligne de commande, on est obligé de passer par un diff, bon, par une ligne de... dans un programme. Donc c'est pas grave, on va continuer la, la suite. Alors là vous voyez, j'utilise euh, une commande every. Every en fait, comme son nom l'indique, ça va tous les. Ça marche bien chez toi Ah bon bizarre, hein Alors, il y aura un bug dans l'émulateur. Voilà, comme tu dis steph 3D, c'est tous les 50, ouais, tu vois, moi je n'ai pas le droit de faire ça. Tous les euh, 50 unités de temps, on va pour le chronomètre 1, voyez, parce que ici il y a 50,1. On va appeler la ligne 190 avec un gosub. Vous vous souvenez gosub ça va exécuter le programme jusqu'à ce qu'on tombe sur une ligne qui contient return. Euh, alors cette unité, c'est en fait 2 centièmes de seconde. Pourquoi pas 1 Bon, c'est comme ça. C'est là encore, je pense, des contraintes techniques dues à la puissance de, du, du, du Z80. On ne pouvait peut-être pas faire plus. Et euh, ensuite euh, vous avez la possibilité avec euh, Evry d'utiliser jusqu'à trois chronomètres différents. Euh, 1, 2, 3, pour, euh, pour faire euh, les, les lancements réguliers de vos programmes. Alors ensuite, du coup, vous voyez en fait, je dis que ma variable angle, elle va pour faire une montre suisse. Voilà. Euh... Ben là je, je m'aperçois que je suis vraiment stupide. J'ai défini une fonction fn angle et je ne m'en sers même pas. Ah ben décidément, j'avais fumé ce jour-là. <laughs> bon. Alors du coup, angle va faire exactement ce calcul que j'avais fait. Si en ligne 210. Ah oui, effectivement, en ligne 210, je, je m'en sers. C'est ouais, bizarre. Hein calcule un angle en fonction de la seconde. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi je fais cette bêtise. Bon, c'est pas grave. Euh. Alors, attendez. CLS, liste. Donc là, on s'aperçoit d'une chose c'est qu'en fait, la ligne 110, elle ne sert, pour ainsi dire, à rien. Ouais, effectivement, comme tu dis, Mokona, hein, on a la même conclusion ça ne sert à rien. Euh, parce qu'au final euh, je vais faire un go to 120 ici la ligne me calcule une fois l'angle comme ça et puis en fait euh, voilà ça sert à rien donc moi dans ce cas là hop, je tape 110 et la ligne disparaît voilà ouais je suis désolé TSM es, un, un reliquat d'un test oui je pense voilà hop, ouais, voilà comme tu vois j'ai j'ai fait la j'ai fait le, le liste, le, le programme. Allez, le, donc du coup, je vais le, le même le sauver sur ma disquette. Ça arrive de faire des bêtises, il faut dire. Comme vous voyez, l'éditeur il est un petit peu spartiate quand on code comme ça on a vite fait de voilà faire une erreur, de taper deux fois le même numéro, le même numéro de ligne, et, et de au contraire en gommer une qu'on ne voulait pas, ou au contraire en laisser une pensant qu'on l'a effacé. C'est bon, ce sont des erreurs assez fréquentes. C'est pour ça qu'on a toujours intérêt à se relire. Ce que bien entendu je n'ai pas fait parce que je suis un champion pour donner des conseils que je ne suis pas. Voilà. Donc, du coup... Euh, là maintenant on va voir que pour dessiner je fais d'abord un CLS, donc j'efface l'écran ah oui, euh, salut Riti il n'est pas optimisé, oui, bah, certainement il n'est pas optimisé euh, du coup euh, salut Runbo euh, du coup l'idée c'est de commencer donc à augmenter le nombre de secondes comme Vous pouvez voir, donc euh, toutes les secondes, on va appeler la ligne 190, on va dérouler ça. Et première des choses, on va faire un, un point au centre de l'écran, on va faire un draw à 320 plus 200 fois le cosinus de l'angle courant. Donc vous, vous souvenez la fameuse méthode, la fameuse fonction effet d'angle, qui vous calcule l'angle euh, comme ça, en fonction de la seconde, et virgule 200 plus 200 fois sinus de l'angle. vous vous souvenez, le, le cosinus et le sinus, en fait, euh, c'est le, les fameuses fonctions de trigonométrie qui vous permettent, en fonction de... Euh, des coordonnées là de 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 l'hypoténuse des choses comme ça bon vous pouvez retrouver ça dans les dans les bouquins de maths ça vous permet de calculer la hauteur de, de votre triangle en fonction de l'angle de la longueur et tout ça donc ça c'est un truc vous trouvez ça dans le dans justement le premier exemple cosinus ad hypoténuse voilà attends voilà exactement route T'es plus précis que moi. Bon, C'est ce genre de truc. Pourquoi ne pas avoir mis 400 plutôt que 200 et s'il fallait pas mettre des parenthèses Alors, je n'ai pas mis de parenthèse, Steph 3D, parce qu'en fait, le, le multiplier est euh, prioritaire. en fait. Donc là, quand j'écris 320 plus 200 fois cos euh, fn angle ou 3, 200 plus 200 fois sinus de fn angle, eh bien en fait, il Va d'abord calculer le 200 fois sinus euh, FN angle. Voilà. Là aussi, c'est encore des, des trucs spécifiques aux maths. Euh, on écrit de droite à gauche comme ça euh, en français ou dans beaucoup de langues. Mais en maths, euh, bah non, on lit pas de la, de la même façon. On lit les, les, les étoiles en premier. C'est comme ça. Et ça plante pas. Non, non, ça ne plante pas. Donc, là, on va faire run. Hop, et vous voyez. L'aiguille la... tourne. Comme ça. Seconde après seconde. Voilà. Il n'y a qu'une aiguille. Effectivement, comme tu dis, c'est style 3D. Là, pour l'instant, je ne fais que la trotteuse. Euh, J'ai utilisé qu'un seul chronomètre. Euh, alors, on pourrait très bien se contenter, salut Rétro Redrum, on pourrait très bien se contenter d'utiliser un seul chronomètre pour les secondes et simplement, elle ne doit pas être moins grande, de la trotteuse, oui, c'est possible, on pourrait très bien la faire moins grande. Euh, du coup, la, on pourrait très bien utiliser cet unique chronomètre pour les secondes et à partir de ce, ce système-là, s'en servir pour incrémenter euh, les angles euh, des, des autres aiguilles, pour, euh, pour faire évoluer l'aiguille des heures et l'aiguille des minutes euh, en fonction, ça serait tout à fait faisable. Voilà. Donc, euh, du coup, <laughs> je pourrais vous donner ça comme exercice, vous faire pour la suite. C'est, ça serait un truc, euh, un, un exercice intéressant à faire. Vous auriez donc deux possibilités. Soit utiliser euh, trois instructions every, tout simplement, et dire bon, bah, j'ai une instruction pour afficher euh, les, toutes les aiguilles en fonction des angles, et puis euh, je me contente euh, voilà, de, de les rafraîchir euh, comme ça. Euh. Il y a plein de façons de faire. Voilà. Il faut afficher au sorts. Alors ça, le, le, le mode d'affichage sort, on verra ça aussi euh, plus tard. Euh, en fait, euh, je vous ai dit qu'il y avait euh, trois paramètres, parce que là, je restais euh, au niveau compatible euh, CPC toute euh, gamme. Sur un CPC 628, il, euh, il y a un quatrième paramètre, qui est justement le mode de superposition et ça on verra ça une autre fois parce que bon c'est euh, effectivement euh, un truc qui est spécifique au pc 6.8 qui permet de tracer un trait et de gérer la superposition de ce dessin par rapport au dessin qui est en dessous effectivement oui comme tu dis, ben, c'est des iron ça permettrait d'effacer plus facilement parce que là effectivement j'efface tout l'écran, je ne me prends pas la tête alors qu'on aurait très bien pu n'effacer que, que le trait poigner l'écran ça va faire un peu lourd effectivement ça fait un peu lourd bien donc, du coup là je vais juste montrer le code source le, pour donc effectivement comme tu dis ça pourrait très bien être optimisé on pourrait effectivement comme tu dis rajouter un paramètre ici pour éviter d'avoir à faire un CLS à chaque fois ça ça marcherait mieux sur un CPC 628 du coup Ici, le gosub, là, le 190, ok, on sait qu'il sert à afficher les secondes. On pourrait très bien, euh, en faisant une, une aiguille qui ne, qui ne s'efface qu'elle-même, faire trois fonctions différentes. Et avec trois chronomètres différents, faire euh, bouger indépendamment les trois aiguilles. Et sinon, ensuite, euh, l'autre possibilité, c'est... Euh, on a tout simplement un seul chronomètre et avec les systèmes comme on a vu là de modulo de et de comment dire de tu rajoutes une ligne qui masque l'encre de fond oui aussi tu peux faire ça exactement tu peux très bien facilement faire les choses comme ça euh, du coup euh, après, il y aurait aussi d'autres possibilités. On pourrait aussi euh, s'amuser à, à positionner les, les caractères autour des aiguilles pour dire bon, ben voilà, euh, on met un, un 12 en haut, euh, un 3, un 6, un 9, euh, histoire d'avoir un petit peu des, euh, des éléments qui font ressembler ça à une horloge. Voilà, il y aurait pas mal de, de choses intéressantes à, à faire. Voilà. Euh, sinon du coup, là on a vu euh, le mode graphique euh, et on a vu auparavant le mode texte. Il faut savoir que les deux choses peuvent se mélanger, ce n'est pas parce que vous avez fait des plots et des draws que vous ne pouvez pas utiliser des instructions print par dessus, vous pouvez très très bien les mélanger. Et d'ailleurs du coup euh, c'est ça me permet c'est quoi le format des dessins sur CPC et JPEG Oh là là on est loin 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 de ces formats là je sais plus en quelle année est sorti le JPEG mais le JPEG était sorti euh, le dernier CPC était sorti depuis des années même pas en fait euh le format des dessins en fait euh, il faut savoir que sur un Amstrad, euh, la résolution par défaut euh, c'était on va dire euh, du 320 par 200 4 couleurs euh, voilà euh, ensuite tu pouvais avoir du 160 euh, par 200 euh, en 16 couleurs voilà donc par 200 160 par 200 voire 640 par 200 en seulement deux couleurs et tout ça en général c'était non compressé. Euh, donc ça faisait 16 kilooctets à chaque fois. Et ensuite il y avait quand même des logiciels qui étaient capables de compresser ça. Donc euh, voilà, c'était souvent des compressions de type euh, RLE, donc des choses pas forcément très efficaces. Ça voulait dire en fait que sur un octet euh, tu pouvais avoir euh, 2, 4, voire 8 pixels en même temps. Je dis cela parce que tu pourrais faire un dessin d'horloge et intégrer les aiguilles. Alors. En fait, oui, tu pourrais très bien effectivement faire un, un joli dessin d'horloge avec un, un outil graphique genre euh, advanced OCP Art Studio. Et euh, du coup, effectivement, redessiner par dessus. C'est tout à fait possible, effectivement, de, de charger un écran via une instruction basique. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire. Et après, tu pourrais très bien redessiner par dessus. Ça, l'abstrade peut le faire très simplement. Voilà. Donc effectivement, on aurait pas mal de, de possibilités différentes pour, pour faire ça. Euh, alors sinon, j'avais envie quand même, avant de partir, de vous montrer autre chose. Alors, c'était quoi C'était Scroll 3, il me semble. Je vous disais qu'on pouvait mélanger. Oula Vous voyez là, en fait, euh, vous, vous souvenez le programme de scroll que j'avais fait ben là, j'ai rajouté euh, des, euh, des petits points euh, qui sont des pixels en fait. Donc vous voyez, on peut vraiment mélanger euh, des caractères euh, mode texte et du et des traits des, en pixels. Euh, ça marche très bien. Voilà. Et là, en plus, euh, j'ai rajouté des couleurs. Euh, voilà. 2. Alors attendez. 1, 4. N1. Hop. Alors qu'est-ce qu'il y avait de bien dans ce programme et euh, ouais, donc vous voyez en fait je, je m'amuse simplement à faire des petits plots. En haut de l'écran. <laughs> Il y a des vies illimitées, f 3D, effectivement. <laughs> pour l'instant, je n'ai pas du tout géré la, co la collision. Euh, donc, en fait, euh, pour ce petit programme, je me suis amusé. Euh, et en fait, euh, du coup, euh, j'ai un petit peu optimisé le programme, même si vous avez pu voir, euh, je fais ça. Ça fait un an que j'essaie d'en faire un, un assembleur. <laughs> oh ben, dans ce cas-là, tu prends les cours d'Amory de BDC Iron. Et tu apprendras à faire ça assez facilement, je pense. Comment tu changes la couleur du fond et du texte Alors en fait, pour changer la, la couleur, j'utilise là aussi la commande ink. Donc en général par défaut, l'horloge bug au bout de 9h à 6 minutes et 8 secondes je crois, oui sûrement. Et euh, du coup, euh, avec la commande ink, je dis que le 0, euh, je le veux à à la couleur 0. Donc ça me fait un fond noir. Et après, euh, pour dire que je vais utiliser telle couleur, euh, un tel encre, je dis, euh, pour un crayon, je dis pen. Et je donne le, le numéro de l'encre que je vais utiliser. Voilà. Donc euh, du coup, euh, on doit pouvoir le voir ça. Euh, bah, tu vois par exemple ici, je fais euh, sur la ligne 110, pen 1 plus random x 6, parce que voilà, je tourne sur euh, les 6 premières couleurs, euh, enfin les 7 premières couleurs on va dire. Et euh, voilà, deux décalages des points pour avoir... Donc du coup, en fait, euh, mon idée, voilà, c'était d'afficher de, de, des... On voit le gars qui a testé. Ah, il a déjà fini le de... problème, je suis... Non, je fais un piton, ah, d'accord. Okay. Donc du coup, en fait, le... mon idée, en fait, c'était de revoir le programme, que... je ne sais pas si vous vous souvenez hein, du programme que j'avais fait où j'affichais je... euh, des... Des... des lignes comme ça, des toiles, pour faire un, un premier Starfield. Et euh, du coup... Le... Pourquoi ça ne prend pas tout l'écran C'est parce que tout simplement, si je prends tout l'écran, ça rame en fait. Donc, c'est une des astuces communes dans beaucoup de jeux CPC, y compris des jeux en assembleur. On réduit la surface d'affichage, comme ça, ça va plus vite. <laughs> Donc, du coup, là, en fait, mon programme, au lieu de faire afficher une chaîne de caractère, alors mes deux scrolls ont en fait exactement la même vitesse. Mes points et mes étoiles se défilent à la même vitesse. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'exemplaire précédent, je faisais sur chaque ligne afficher des étoiles. Et ensuite, je faisais un système pour les faire défiler. Comme ça, vers le bas. Puis je me suis dit, euh, c'est quand même pas forcément folichon, euh, du coup, euh, donc euh, je vais chercher un autre système. Et en fait, euh, du coup, j'ai eu l'idée de, de faire un système où, au lieu de faire afficher toute une chaîne de caractères qui faisait 20, 20 caractères de large, bah du coup, j'ai dit, non, on va afficher que les étoiles comme ça, et ensuite je fais défiler. Et donc l'idée ensuite c'était euh, pour les effacer, euh, ben je, là par contre je, au lieu de les effacer en affichant euh, des euh, comment dire des, euh, des chaînes vides comme ça de, de 20 caractères, ben non, du coup je vais les effacer spécifiquement à l'endroit où elles étaient. Bon voilà, c'est des petites astuces comme ça que j'ai trouvé. C'est pas forcément folichon, on va dire, en termes de, de, de gestion des saccades, tout ça. Mais bon, c'est ça donne un petit résultat. Bon, le but, voilà, c'était de faire un petit, un petit programme qui montre un peu différents principes. On aura le temps de le revoir un peu dans le détail quand je l'aurai peaufiné. Voilà. J'avais aussi voulu essayer des instructions mode texte qui s'appelle Window, Mais... Je franchement pas vu un euh, grand intérêt pour faire ça. Ça m'a pas vraiment euh, beaucoup aidé. Donc, euh, puis surtout en termes de performance, c'était pas génial non plus. Donc, j'ai préféré euh, les remettre à plus tard. Donc, on aura l'occasion de, de revoir ce programme euh, et peut-être d'y rajouter euh, une détection de collision euh, histoire de. Voilà. Bon, bah, du coup, je, je pense qu'on a vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Euh, J'utilise Winape pour le moment. Euh, voilà. Oh, Winape pour faire du basique, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, il est pas mal. Euh, je vais être. Tu dois être loin, il fait toujours jour chez moi. <laughs> oui, oui, je, je suis, je suis au, de l'autre côté de l'Atlantique, en fait. <laughs> voilà, voilà. Bien, bon, du coup, euh, bah, écoutez, je vous remercie d'être passé. Euh, et j'espère que ce cours vous a plu. Je, je vais poster le, le replay sur ma chaîne YouTube. Et euh, je vous dis normalement à mardi prochain si tout va bien. Voilà. Merci beaucoup. Et euh, n'hésitez pas à commenter euh, sur, euh, sur YouTube quand j'aurai... Euh, poster les, si vous avez d'autres remarques et des, des suggestions pour la suite des cours. Merci beaucoup, ciao ciao